Salut tout le monde, c'est Val. Bon, on se retrouve sur le Néobank TV. Alors aujourd'hui, les gars, nouvelle petite série qui démarre sur la chaîne, gentiment. Tout simplement, ça va être une série de showmatch de notre petit groupe e-sniping, donc vous voyez présent ici, VVN, Red Bull, Voxys et Amnesia. On va tout simplement faire une petite série en montrant les showmatchs qu'ils vont pouvoir réaliser pour que ce soit pour leur entraînement, etc. Donc on est parti. Je vais vous parler gentiment des cartes qu'on va voir sur ce match. Alors, on va commencer. Donc, vous avez vu sur un HP E-Jacked. On va enchaîner sur une CTF Slums. Ensuite, une SND Standoff. Un HP Red et un CTF Express. Donc, vous avez bien compris que c'était un BO5, un Best of 5. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on appelle ça Best of 5 tout simplement parce que ça se déroule sur 5 cartes. Alors, on va commencer gentiment ce petit match. On va regarder un peu la connexion, ce que ça donne. C'est moi qui host, ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, on va commencer chez les NB13. On va passer chez Amnesia. Alors, je me suis un petit peu renseigné. Je suis pas sûr de ce que je vais annoncer, les gars. Je crois que c'est Red Bull qui. Amnesia qui va slay. Red Bull et Veven qui vont jouer l'objectif. Et... Non, Amnesia, il est ancre, si je dis pas de conneries. Enfin, bref. Je dis n'importe quoi. On va commencer gentiment sur Amnesia. Alors, on voit qu'ils sont en place. Ils ont pas mal travaillé ces temps-ci. Alors on passe sur Amnesia. Amnesia qui va scoper le middle. Alors qui c'est qui joue les objectifs? C'est Veven qui joue les objectifs. Je vais baisser un tout petit peu le son du jeu les gars parce que ça m'arrache les oreilles. Grosse triple de Voxys. Rainbow qui fait la double derrière. On va passer sur Red Bull voir ce que ça donne un petit peu. On va changer gentiment le conflit. On est à 14-0 pour côté NB13. Red Bull en série de 3 frags qui se fait arrêter par Chronique. On va passer un petit peu sur lui qui est en série de 2 frags et qui se fait arrêter également sur le point. On va passer un peu chez les FA. Je vais vous parler un petit peu de cette team. Alors, cette team, c'est la Full Arctic Clan. Je ne sais pas si, je crois qu'ils ont une chaîne YouTube. Si jamais je leur demanderai, je le mettrai dans la description gentiment. On voit pas mal que chez les côtés NB13, Amnesia série 2, Red Bull série 2 et Voxys série de 3 points. On va se mettre de 3 frags, autant pour moi, qui se fait arrêter. Je crois que je porte un peu la poisse. Hein. Dès que je me mets sur quelqu'un qui est en série, sa série s'arrête. C'est pas grave. On va passer un peu chez les FA. On n'a pas vu grand monde. Alors, Predax. Redax qui joue avec un petit processeur balistique. Gentiment. Moi je suis pas trop trop adepte du processeur balistique. Je crois que chez nous ça joue beaucoup en SND avec le processeur. Peut-être que je dis de la merde. On va regarder. Ouais, là il n'y en a pas. Veven, il y en a un. Red Bull, il n'y en a pas. Et ouais, Amnesia, il n'y en a pas. Donc c'est bien ce que je disais. À part Veven, tout le monde ne l'utilise pas. On va passer un peu sur Rainbow qu'on n'a pas beaucoup vu durant ce game. On va regarder un petit peu les scores. Waouh, Red Bull en 10-4, Voxys en 10-4, Amnesia en 3-1, Veven en 4-3. C'est assez. Les NB13 sont bien rentrés dans le match quand même. Hein. On voit ça, 40-23. Ça va, ils mènent plutôt tranquillement. On va passer sur Wheezy un petit peu qui se fait fraguer par Veven. Chronique, voyons ce que ça donne. Oh, grosse trip de Voxys, la deuxième déjà, les gars. Je sens que ça va filer dans cette partie. Hein. Il y a moyen de faire quelque chose hein, parce que Voxys, il... ah, je crois qu'il fait le full. Red Bull en série de 7. Red Bull en série de 7, on va rester sur lui. Voyons si la malédiction est là. Et oui, comme d'habitude, je me mets sur quelqu'un. Ça arrête sa série. Amnesia en série de 4 frags. 60 points à 25 sur ce point stratégique et jacked. On va passer gentiment un petit peu sur Voxys qui a fait pas mal de triples. On l'a pas beaucoup regardé. Bon, les NB13 qui ont le spawn sur ce point de la cuisine. Oh non, j'avais pas vu. Je dis n'importe quoi. C'est encore le point du sous-sol. Les FA ont l'air de pas mal tenir le point du souterrain. On va passer un petit peu sur eux. Voyons. Ouais, ils ont l'air plutôt en place. Chronique qui garde le back. Predax qui est en train de. Ouh, il avait du monde. Dommage pour lui. Il s'est fait arrêter par Veven. Voyons un petit peu ce qui se passe. Rainbow. Rainbow qui est en duel avec Voxys et qui gagne son duel. Amnesia toujours en série de 4 qui vient de se faire arrêter. Ouais, dès que je me mets sur quelqu'un qui est en série, je lui coupe sa série. C'est un scandale. Alors Amnesia qui va garder le spawn, qui fait bien son travail d'encre, on le voit. Alors je vais parler un petit peu de ce que je sais. Hein. Je suis pas un joueur compétitif, mais à force de caster quelques matchs, etc. de la NB13, je commence à comprendre un petit peu. Le rôle de l'encre en fait c'est de rester surtout dans le back et de garder le spawn parce qu'en point stratégique en fait si y en a un qui est en position en fait à l'arrière du point à chaque fois et ben en fait la réapparition des joueurs se fait juste à côté du point tandis que si on n'a pas cette zone arrière du point tout simplement la réapparition du joueur se fera beaucoup plus loin et c'est des secondes très très importantes dans un match en point stratégique où on sait bien chaque seconde où il n'y a pas de conflit, on rapporte un point à son équipe. Donc voilà à peu près mon explication, j'espère qu'elle a été claire pour les débutants qui tomberaient sur ce match. Je crois qu'il y a la foule là qui vient de se faire.
pas du tout. Amnésia en série de 4 frags, 5 frags. Oh là là, la quad, la quad, la quad, la quad, la quad, la quad. Non, dommage, le cross triple. Amnésia en série de 6. Red Bull en série de 2. Voyons Veven ce que ça donne. Veven qui est en train de duel parce que les FA ont le bon spoon justement. Il se fait fraguer. On va passer un petit peu sur Voxys. Voxys qui est dans le blanc, qui gère le blanc. Il va avoir un duel. Oui, bien joué ça. On va passer sur Chronic un petit peu. Chronic. Chronic qui va passer à droite côté Jacuzzi. On va voir ce que ça donne gentiment. Il se fait fraguer par Red Bull. Predax qui est à ce top. Il se fait fraguer également par Red Bull. Rainbow au point du Jacuzzi. Il se fait fraguer par Amnesia. Par Amnesia, Red Bull en série de 5 frags. Ah, il vient de se faire arrêter justement. Wizzy qui est sur ce point, qui est en train de recoller un petit peu au score. 112 à 62 dans ces premières 5 minutes de match. Je crois que c'est 10 minutes le point stratégique si je dis pas de conneries. Rainbow en série de 4 frags. On va passer sur lui un petit peu en duel. Ouais, il a esquivé le duel. Son mate a pu lui sauver la vie. Et il se fait fraguer par Voxys. On va passer un petit peu. Sur Wheezy, Wheezy, on était sur lui tout à l'heure, voyons un peu ce que ça donne. Il récupère le point stratégique, il va sûrement jouer les dernières secondes pour essayer de grappiller un maximum de points. Je pense que les NB13 vont se mettre en place déjà sur le prochain, on va regarder ça. Amnesia qui garde le spawn, qui fait bien son travail. Red Bull en série de 3 frags qui pousse et qui essaie d'éliminer les joueurs sur le point stratégique. Dommage, il a louché son shoot. Veven en série de 4 frags, attention. Ouh, ils étaient alignés les trois. Oh, vous l'avez vu, hein. Oh, dommage, Veven, il a dû rager un petit peu. Ah, il a dû gueuler, je le connais un petit peu quand même. On va passer sur Voxys, Voxys qui garde le bac. Ah, je sais pas s'il l'a pas vu. Oh, il a pris hitmarker. Oh, il a pris le hitmarker, Voxys, il a eu beaucoup de chance. Oh, il s'en sort vraiment de justesse, hein. Heureusement qu'il a des mates qui ont pu le cover. Amnesia qui part déjà sur le prochain point stratégique. Red Bull en série 3 frags. Amnesia en série de 4 frags et Voxys en série de 3 frags. Et Red Bull qui passe en série de 4 frags et qui se fait arrêter. On va passer un petit peu chez les FA. Alors, Chronic. Chronic est sur le point. Il joue un peu les 10 dernières secondes pour essayer de recoller au score. 150 points à 90. J'ai attendu un peu parce que je savais pas comment trop le dire. Ils sont en train de marquer les points. 3 minutes 50 encore dans cette première map de match sniping. On espère bien évidemment que ce petit nouveau concept un peu compétitif vous plaira. C'est vrai que moi je prends pas mal de plaisir à caster ces matchs compétitifs parce que c'est vrai que c'est à la base c'est pas trop mon truc. Moi j'aime beaucoup faire des lives, etc. Des lives, des commentaires sur des gros gameplays de type performance. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa de changer un petit peu, de caster un peu de la compétition. Moi ça me plaît beaucoup. Donc j'espère que mon commentaire vous plaira également. Je pense que c'est un petit peu plus fluide quand même que contre le match avec la Evo Chanel. À qui on fait un petit coucou au passage si jamais il regarde ce match. Oh la quad de Red Bull qui a fait le full team. Oh j'ai vu la quad. Ou alors j'ai halluciné, j'ai vu une triple et il a fait le frag. Je crois qu'elle est slow mais il y a eu la quad, hein. Je suis pas sur les bons joueurs, hein. C'est encore mais... Oh le noscope de Red Bull, joli. Alors Amnesia en série de 5, Red Bull en série de 6, on va rester sur lui jusqu'à ce qu'il se fasse fraguer dans sa série. Série de 7, waouh, ils sont chauds les NB13, ils sont bien rentrés dans leur match. 156 points, 93 sur ce point stratégique et Jacked. On va enchaîner après, je vous le rappelle, sur une CTF Slums. Je sais qu'ils ont pas mal travaillé sur cette CTF justement parce que dans le futur bien évidemment. Oh joli headshot de la part de Red Bull. On va passer un petit peu sur les FA parce que je squatte un petit peu les NB13. Forcément je soutiens mes mates, c'est un petit peu normal. 175 points, 93 dans ce match. On va passer sur Predax un peu. Il est vraiment très beau, hein, ce balista en diamant. Il se fait fraguer par Veven. On va passer sur Rainbow un petit peu qui se fait fraguer également. Je crois que c'est le full. Je crois qu'il y a eu le full. Amnesia en série de 6 frags. Il se fait arrêter par Predax. Rainbow qui est dans le bac, il va essayer de fraguer histoire de faire quelques points. Le noscope qui passe et qui permet de reprendre le point stratégique. Très important, il restait quand même 20 secondes, ce qui va leur permettre de marquer quelques points. Je pense que les NB13 sont déjà en place pour garder le spawn du prochain. On va passer sur Wheezy un petit peu. Wheezy qui est encore en train de jouer les objectifs dans ce point de la cuisine. Chronic qui est déjà sur le prochain. Je pense que Chronic ça doit être... Ah non d'accord, non, je me suis trompé. Chronic qui a 2 duels à gérer, 1 dans le bac, ouais c'est pas mal, ça joue bien côté FA là, ça joue pas mal. Rainbow en série de 3 frags, on va passer sur lui un petit peu. Oh il y a du monde, oh il a les 4, oh dommage pour lui, oh dommage, vraiment dommage. Les FA qui sont en train de recouler au score un petit peu, hein. 188 points à 135. Il reste 1 minute 20 dans ce match, ça va être un petit peu serré si les NB13 ne se réveillent pas un petit peu. On va passer justement sur...
Allez, Amnesia. Amnesia qui est en train de faire le travail pour les spoons du prochain point. Red Bull qui est déjà en place sur le prochain, qui va garder l'entrée principale du middle. Veven qui se fait fraguer sur le point stratégique. Voxys qui est en train de grappiller un petit peu les points pour être sûr de remporter cette victoire. Ça reste très très bien annoncé pour la NB13. Je suis pas très fort en mathématiques et en calcul mental, mais ça va être compliqué encore pour les FA de rattraper. Même si quand même ça commence à se rapprocher. On va faire un calcul vite fait, 46 secondes, ouais, je pense que c'est un petit peu mort pour les FA. C'est les NB13 qui vont remporter ce premier match, ce premier point stratégique sur E-Jacket. Ils se sont bien rattrapés quand même, ils se sont pas mal remotivés côté FA. Ouais, c'est la fin, on va passer un peu sur la FA pour la fin. Predax qui va essayer de rentrer par le middle dans ce point stratégique. Chronic qui s'est fait fraguer. Rainbow toujours au middle. Wheezy qui arrive, non c'est la fin. Ils sont tous à l'entrée, Amnesia qui garde le spoon toujours. Red Bull qui rentre sur le point stratégique. Veven qui se fait fraguer sur la fin. Et Voxys qui est en train de contourner pour essayer de faire la kill cam peut-être. Non, qui c'est qui va faire la kill cam? Chronic, Predax, Rainbow qui se fait fraguer. Wheezy sur le point, il rate son shoot. Et c'est Voxys qui va faire la kill cam dans la première map de ce petit show match NB13 contre la FA. Alors je crois que la FA, je viens de te calculer, la FA tout simplement c'est leur nom raccourci. Le nom, joli petit flash cop de la part de Voxys. Voxys d'ailleurs que peut-être vous ne connaissez pas, on regarde les scores un petit peu. Ouh, 51 frags de la part de Red Bull, gros travail de Slay de sa part, GG à lui, franchement grosse partie. On va enchaîner sur ce CTM Slumps et je vais continuer ce que je voulais vous dire. Alors je vais prendre gentiment les règles sur mon petit ami Voxys. Mon petit ami, non, ça fait un peu bizarre de ce que je dis, sur mon pote Voxys, ça fait un peu plus... Bon, bref, on va changer de sujet les gars, je me suis un peu perdu. Partie personnalisée, capture du drapeau, et on est parti. Allez, donc je disais, l'AFA c'est leur nom raccourci, si je ne m'abuse, c'est Full Arctic Clan, leur nom de team, tout simplement. Alors sur cette petite capture du drapeau, j'ai pas fini ce que je voulais dire tout à l'heure, donc je disais que sur cette capture du drapeau, c'est vrai qu'on a joué la Evo Channel FR qui était vraiment très très en place. Ah zut, on a un petit souci les gars, c'est les aléas du direct. Voxys a dû friser tout simplement, donc on va le réinviter gentiment, on va pas se prendre la tête les gars. Les aléas du live, hein, vous comprendrez, j'en suis certain. Donc voilà, on va arrêter la partie gentiment, je vais pouvoir continuer ce que je disais. On a joué la Evo Channel FR donc avec l'ancien groupe e-sniping, et c'est vrai qu'ils étaient très en place sur cette CTF Slums, et je sais que Amnesia, le nouveau capitaine de notre groupe, est très... Attendez, je vais écouter un petit peu ce qui se dit. Je sais pas si c'est dommage, je reçois mon micro. Je vais exclure Voxys puisqu'il... Non, c'est bon, il va arriver, il est là dans deux secondes. Voilà, Amnesia qui dit qu'il est là dans deux secondes. Pas de soucis, on va continuer. Donc, je disais, excusez-moi pour cette petite coupure, hein, j'essaie de gérer au mieux cette petite partie gentiment. On va voir ce que fait notre petit Voxys. Où es-tu? Ouh, j'ai beaucoup de NB13 quand même. Ouh là 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 là. Il est en ligne? Non, il est en ligne. Voyons. Voxys, où es-tu? Voxys, on t'attend mon pote. Bon, il va pas tarder les gens, tranquillement. Donc je disais, ouais, que les... On va y arriver au bout de trois fois où je me coupe. Qu'on a joué les Evo avec l'ancien groupe. Et c'est vrai qu'ils étaient vraiment très très en place. Et que Amnesia, depuis qu'il a repris le groupe, est très à cœur de reprendre les lacunes qui ont été remarquées par le passé. Et tout simplement, je sais qu'ils ont pas mal travaillé cette capture du drapeau sur Slums. Donc je pense qu'ils sont plutôt en place. Pour moi, je les mettrais favoris. Après, on va voir ce que ça donne. Je vais écouter Amnesia. Il va pousser avec Bulbul pour être à deux sur le truc. Ce que tu fais, c'est qu'ils sont en train de taffer un peu la strat. Toujours Amnesia en tant que prend à cœur son rôle de capitaine. Tant mieux. Voilà, on voit que Voxys vient de se connecter. Il va arriver gentiment. On va attendre tout ça. Donc voilà, CTF Slums. Alors, si je ne m'abuse, alors j'ai bien compris, c'est Red Bull qui slay, Amnesia qui est l'encre, et Veven et Voxys qui jouent les objectifs. Voilà, pour parler de la structure de cette équipe. Alors, je vais vous passer un petit peu sur les FA.
L'EFA qu'on n'a pas, que j'ai pas vu tout simplement, que j'ai pas montré. Donc voilà, on a Predax, Wheezy que je connais, Chronique, Rainbow, Realize et Toxic qui sont avec moi en code casting, tout simplement. Bon, gentiment, petit pronostic. Allez, on va se risquer à des pronostics. Moi, je dirais, allez, un petit 2-1 pour la NB13 peut-être, pourquoi pas? Un petit 2-1. Je pense que ça serait, je pense que c'est largement faisable. Je vais envoyer une invitation de jeu à Voxys, tout simplement. J'espère qu'il va pouvoir rejoindre la game. Allez, mon petit, on t'attend. Encore une fois, on s'excuse, bien évidemment, c'est les aléas du direct. Voxys qui est là, voilà, je vais le muter tout simplement pour pas que vous l'entendiez et que ça fasse des échos pour moi. Je ferme le groupe et j'envoie la partie, tout simplement. Donc, cette petite CTF Slooms. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'ils vont tenter un petit peu le spawn kill. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire, les gars, en CTF. Hein. De toute manière, une fois que vous êtes bien en place, vous pouvez spawn killer. Je suis pas encore adepte trop comment dire, de la stratégie pour vous expliquer ça en détail. On va voir un peu ce qui se passe. Je vais regarder la connexion toujours. Tout le monde en 4 barres. Ça va, ça le fait. Allez, on va passer un peu chez l'FA pour commencer. Tout à l'heure, j'ai commencé sur les NB13. On a Chronique, Predax, Rainbow et Wheezy. Allez, on va commencer sur Chronique. Gentiment, on va voir ce que ça va donner un petit peu. Allez, c'est parti. Donc, Chronique, il va sûrement passer par le carré ou alors par le garage. Non, je pense qu'il va passer. Ouais, il passe côté garage. Or, Predax déjà qui tente. Ah non, je pense pas qu'il tente. Je pense qu'il va annoncer à ses mates. Rainbow qui vient de se faire fraguer. Voxys en série de. Il y a 1-2 côté FA. Wheezy qui est dans le bleu. Qui tient le bleu. Wheezy qui fait un bon taf pour tenir le bleu. Il est déjà en série de 2 frags. Rainbow qui s'est fait fraguer. Voxys en série de 4 frags, il est chaud, il est rentré dans sa game. Vevenn en série 2 qui va contrôler la statue pour vraiment contrôler le middle. Ce qui est très intéressant. Voxys qui s'est fait fraguer malheureusement. Amnesia qui va arriver devant le bleu. Red Bull qui va passer peut-être pour pousser garage, je sais pas. Je regarde un petit peu sur la mini-carte en même temps. Ça va, c'est pas mal en place. Je vois que les FA poussent le bleu. À mon avis, leur strat doit se baser côté bleu pour sortir les drapeaux. Red Bull a quand même fra... Ouh là 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 là, on va passer sur Red Bull. Red Bull qui a quelqu'un derrière lui. Ah non, je me suis trompé de joueur. Autant pour moi. C'est pas grave. Oula, mon gros moins 3 qu'on cédait chez les NB13 quand même. On va passer un peu chez les FA. Wheezy déjà qui est dans le back de la NB13 qui va peut-être pouvoir toucher s'il gagne son duel. Attention, duel très important là. Très très. Oui, il le gagne. Bien joué à lui. Ah, bien joué. Grosse défense de Red Bull qui est revenu pour soutenir son mate et qui élimine Wheezy qui était dans le spawn. Ce qui fait backer un petit peu l'équipe des FA. Qui permet au NB13 de souffler un peu. On va passer sur Red Bull qui est en série de 2 frags. Qui tempo au niveau. Ah, il a vu. Le duel. Et qui se fait fraguer par Predax. On va passer sur Voxys qu'on n'a pas beaucoup vu. Qui tient bien son rôle de ramener les drapeaux. Qui est en place dans le garage. Je pense qu'il va toucher, les gars. Vevenn en série de 3 frags. On va rester sur Voxys qui va essayer de toucher, je pense. Ouais, c'est parti. C'est parti, on va rester sur lui qui a le drapeau. Il va passer côté garage. On va voir qui c'est qui fait la cover. C'est Vevenn qui fait une très belle cover. Amnesia sûrement. Ouh, il se fait fraguer dans le bleu. Red Bull qui est. Oui. Alors là, attention. Attention. Oh. Alors là, il y a un truc un peu bizarre. Vevenn qui a eu sûrement une. Alors Voxys, ils sont. Oh! Waouh. Il s'est fait fraguer chez nous. Chez nous. C'est l'habitude, les gars, désolé. Vevenn. Voyons que c'est quel drapeau. Amnesia, quel drapeau qui a un duel très important là. Très très important le duel. Duel, oui. Voilà, Amnesia qui gagne le duel très important. Alors, on va voir un peu ce que font les FA. FA, oui. Le drapeau qui est perdu côté FA. Et c'est. Et c'est. Non, c'est pas le 1-0. Wheezy qui a le drapeau. Ah non, il s'est pas fait fraguer. Il a réussi à récupérer le drapeau. Bien joué à lui. Et oui, il se fait fraguer. Et c'est le 1-0, je pense, pour les NB13. Voilà, oh non, il a repris le drapeau. Le duel très important, le duel de drapeau. Attention. Predax contre Amnesia. Bien joué, magnifique action d'Amnesia, les gens. Magnifique action d'Amnesia. Duel de drapeau. Le drapeau était juste en face de lui. Et il arrive à faire le duel et à reposer le drapeau. Magnifique action d'avoir d'Amnesia. Qui est en série de 5 frags. On va passer un petit peu sur Red Bull qui est au carré. Vevenn qui va remporter le drapeau. Ils ont fait la transition magnifique. 2-0, ça y est, c'est parti, allez.
Voxys au carré. Veven qui avec soutenir son mate Voxys. Red Bull qui tient toujours ce bleu. Amnesia en série de 6 frags qui s'est toujours pas fait arrêter. Wheezy qui pousse côté police chez les NB13. Attention le duel, il se fait éliminer par Veven. Rainbow qui arrive en soutien de son mate. Oh le chronoscope! Le chronoscope sur, sur Veven, magnifique. On va passer sur Predax un peu. Allez, on s'enchaîne. Là, ça commence à s'enflammer un petit peu. Oh là 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 là, grosse action de Predax qui élimine deux adversaires qui se fait stopper par Veven. Bien joué à lui. On va voir Chronique. Chronique qui passe côté garage et qui va essayer de pousser sûrement sur cette police. On va passer sur Predax. Predax qui va pousser côté bleu, je pense. Rainbow qui soutient son mate Chronique. Amnesia dans le carré, il sait pas qu'il y a un joueur derrière lui. Red Bull en duel au bleu. Ah, attention, ça panique. Ça panique et le noscope. Ou beaucoup de chance de la part de Red Bull qui a une série de 2 frags. Veven, attention en duel contre Wheezy. Il gagne son duel, magnifique. Magnifique. On va passer un petit peu sur les scores. Alors, Veven qui est très très bien rentré dans sa game hein, avec un 15 frags pour 6 morts seulement. Amnesia en 9-7. Red Bull en 14-8. Hein. Il fait vraiment son taf de slay. 15-8 maintenant. Attention, oui, 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 ça c'est une belle action ça les gars. Vox, c'est ce qui fait le frag. Attention, il l'a vu, il l'a vu, il l'a vu sur lui, sur lui, sur lui. Attention, 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 il va peut-être gagner. Oh, dommage, il perd son duel, c'est pas grave. Les NB13 mènent 2-0. Red Bull en série de 4 frags. Il se fait... Ouh, le turn de Wheezy sur... Oh là 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 là, Red Bull qui a pris un gros gros turn. On va passer sur Wheezy qui a l'air d'être on fire. Le headshot sur Riven. Et dommage, il se fait arrêter par Vox. Rainbow qui arrive dans ce côté. Police qui va, attention, qui a un duel. Attention, et oula, il panique un petit peu je crois. Et oh non, il gagne son duel avec un petit drop shot très bien réalisé. Amnesia qui est en série de 5 qui se fait fraguer dans le bleu. Et c'est là, ça va être la fin de cette première manche avec un 2-0 pour les NB13. Qui sait qui va réussir à faire la kill cam? Attention, et c'est Wheezy qui fait la kill cam. Non, je dis n'importe quoi. Je sais pas qui c'est côté NB13 parce que c'est 2 frags qui ont été réalisés par les FA. C'est Red Bull sur cette petite statue contre Chronique. Le petit flash cop qui passe toujours bien. 2-0 dans cette première mi-temps. Ça s'est pas mal envoyé. Hein. C'était un peu posé. Voilà, le jeu était posé en première mi-temps. Pas trop de risques des deux côtés. On va rester côté NB13 pour la deuxième mi-temps. C'est vrai que voilà, c'était très très posé dans cette première mi-temps. Mais ça s'est enchaîné d'un coup. Vous avez vu la belle transition de Veven qui a été effectuée. Qui permet au NB13 de mener 2 drapeaux à 0. Un bon taf. Hein. Vraiment un très très bon taf qui a été réalisé. On va voir si ça passe. Ouh là là, ouais, ils se sont alignés tous les deux, là, Amnesia et Veven. Attention, on va pas se prendre une collate. On va passer Red Bull qui slay directement côté police. Attention, le petit duel peut-être. Voilà, bien joué ça. Veven, Veven qui soutient son mate. Attention, Red Bull qui est toujours côté gauche. Red Bull, Red Bull, Red Bull. On va passer un petit peu sur Amnesia. Voyons ce qu'il fait. Il est en train de scoper le bleu pour être sûr que personne ne passe chez eux pour se prendre un back. Voxys qui pousse pour essayer de prendre ce drapeau. Qui taffe et... qui fait son taf d'objectif player. Désolé si je bégaye un petit peu, c'est que je suis vraiment à fond dans le match. Du coup, j'ai forcément un peu de mal. Ouh, gros, gros, gros flash cop de Rainbow. Attention, peut-être la double, peut-être. Oh, dommage, il aurait mis le turn, ça aurait été magnifique. Très, très belle action. On va passer sur Chronique. Chronique qui passe vraiment en position de flag camper. C'est vrai qu'ils ont pris 2-0. Du coup, ça, c'est sûr que c'est une technique comme une autre, les gars. Et c'est vrai que mettre quelqu'un en défense comme ça, qui protège le drapeau, entre guillemets, quand on a concédé 2 flags, je sais pas si c'est la meilleure. Je pense qu'ils auraient dû plutôt peut-être attaquer un petit peu pour essayer d'au moins revenir à 2-1 et à ce moment-là mettre un flag camper pour pas s'en prendre un autre. Là, je pense pas que ce soit la meilleure des techniques, mais bon, on va voir comment ça se passe. On va... Oh, le gros moins 3 concédé par les FA. Et ouais, voilà. C'est ça le souci quand on est flag camper au sniper, c'est que c'est très facile de louper une balle et là, c'est fini. Il le rattrapera pas, je pense. On va passer, c'est qui? C'est Voxys qui a le drapeau. Voxys qui run. Hein, qui run ce drapeau et ça va être le 3-0. Ça va être le 3-0, je regarde. Il y en a un qui arrive peut-être un peu trop tard. Et ouais, c'est le 3-0. Bien joué. Chronique en série de 2 frags. Qui prend le drapeau, qui va passer. Ouh, il va se retrouver en duel. Et voilà. Bien joué, Voxys. Voxys qui défend. Voxys en série de 2 frags. Veven qui est en série qui se fait fraguer. Red Bull en série de 2 frags. On va voir s'il arrive à gérer son duel. Attention, non, il se fait fraguer. On va passer sur Predax, un peu qui est en série de 3 frags. Bien joué à lui. On va regarder un petit coup d'œil du côté des scores. Alors, positif, positif. Alors, à part Voxys, tout le monde est en positif. Mais bon, en tant qu'objectif player, il ne peut pas tout avoir. Hein, le positif. Oh, joli frag avec le drapeau de la part de Predax sur Amnesia. Il est en série, je pense, de... Ouh là 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 là, Voxys qui a vraiment des gros problèmes de connexion, mais qui reste quand même dans sa game. Hein, très concentré. Très très bien joué à lui de sa part de rester concentré dans sa game même s'il y a des petits soucis de connexion. Ça vient pas de chez moi je pense, mais ça vient plutôt de chez lui. Ça doit un petit peu la game, bon ce n'est pas grave. Wheezy qui est en série de 2 frags, qui a pris le drapeau et qui se fait arrêter. On va passer un peu sur Rainbow. Rainbow qui nous a proposé quand même de très belles actions sur cette CTF Slums.
en espérant qu'il continue dans cette lancée. Il est en train de pousser machine à laver. Ah, il est spotted, il est spotted. Ils sont deux. Attention, voyons ce qu'il va arriver à éliminer un joueur. Ouh, magnifique ça. Le frag sur Red Bull. Le deuxième. Ouh, magnifique. Oh là 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 là. Rainbow qui est vraiment très très bien dans sa game. Hein. Il a un gros gros shoot. Voyons son score, 19-21. Bon, c'est pas très très représentatif des actions qu'il a pu faire. Très très belle action de sa part. Il va, pas... il va laisser passer son mate devant pour espérer un petit peu de cover. Malheureusement, Red Bull qui était là, qui était là, qui était en place et qui a lu très bien dans le jeu DFA et qui permet de faire cette petite double et de rattraper le drapeau. On va passer sur Veven qui a touché. Il va passer côté bleu. Il n'y a pas de soutien, peut-être un sneaky côté NB13. Je regarde sur la mini-carte. Non, il n'y a personne. Veven qui va poser ce drapeau tranquillement. Et oui, les FA qui sont en train de subir le spawn kill. Je suis en train de voir sur la minimap. Je sais pas qui c'est qui est en train de s'amuser côté police. Mais en tout cas, ça fait plutôt mal. Veven qui a posé ce drapeau, c'est 4-0. 4-0, c'est un score assez, assez lourd, hein, on va dire. Mais peut-être peut-être une remontée héroïque. Une minute pour poser 4 drapeaux. Je sais pas si mathématiquement c'est encore faisable. Ça va être très compliqué pour les FA. Excentrique, un abonné qu'on a rencontré sur le multijoueur qui m'envoie un message. Je regarderai ça gentiment après. Chronique, ou le moins 3 concédé par les FA. C'est peut-être pas la bonne technique. Et ouais, Voxy, silo, spawn kill. Hein. Ça sert à rien de flag camper, les gars. Il faut pousser. Hein. Voilà, ça va être terminé. Grosse trip de Rainbow. Ouh, quand je vous disais qu'il était chaud, j'étais pas sur lui. Dommage. Ouais, ouais, grosse game hein, de Rainbow. Hein. Dommage que ça n'ait pas suivi du côté de ses mates. Mais voilà, c'est vrai que la compétition, c'est pas un joueur en particulier, c'est un travail d'équipe. Et ouais, que Rainbow a sorti une très très grosse game, très très belles actions. Mais comme malheureusement, du côté de ses mates, ils avaient pas forcément le shoot qu'elle avait avec. Et c'est le 5-0. Le 5-0, c'est assez lourd comme score. Mais voilà, je me suis trompé dans ma. Comment dire? Dans mon annonce. Ouais, gros frag de Red Bull qui rattrape et qui fait le. Oh, notre scope pour la killcam. Très belle killcam de la part de Red Bull. Gros match de la NB13, hein. Ils sont vraiment, vraiment en place, ça fait plaisir à voir. Ça rattrape un petit peu le match contre l'Evo. Malheureusement, vous avez vu, bon, je ne vais pas en reparler des milliards de fois, on a été piratés, etc. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. Et tout simplement, on a perdu le match contre l'Evo. C'est un petit peu dommage, je sais de toute façon que je suis en bon contact encore avec eux. On va passer gentiment, on va continuer cette discussion après. On va passer sur Standoff. On va mettre une petite SND. Alors, partie personnalisée, recherche et destruction, et on est parti. Donc je disais, oui, après cette défaite assez cuisante quand même face à l'Evo, malheureusement on a perdu le match après notre piratage de la chaîne, mais je sais que le match retour est en prévision, bien évidemment ça s'entraîne des deux côtés, mais que ça arrivera gentiment sur la chaîne par le futur, je pense que c'est pas un souci. On va enchaîner sur ça. Alors sur cette R&D stand-off, je sais pas du tout par contre niveau NB13 ce que ça donne sur la R&D. Je sais que j'étais présent pas mal de fois quand ils sont entraînés en scrim, en CTF, en HP. Autant en SND, je sais pas du tout ce que ça donne. On va voir, on va passer un peu. Alors on va commencer côté NB13 comme j'ai commencé côté FA dans la partie d'avant. C'est un BO5. Donc si les NB13 remportent cette carte, c'est une victoire. C'est une victoire 3-0 des NB13. J'espère de tout cœur que c'est ce qui va se passer. Alors on va voir, je pense que c'est soit Veven, soit Voxys qui va prendre la bombe. On va voir ce que ça donne. Là je pense qu'il y a un peu plus de processeur balistique. Voilà, Red Bull qui a pris le processeur. Alors c'est Amnesia qui a pris la bombe. Allez, on va rester sur lui. On va voir ce qui va se passer. Il est sur ce middle, sur le bâtiment middle, au back, attention, ouais, il y a un frag concédé. Attention, Amnesia, toujours dans l'essence. Il sait qu'il y a quelqu'un. Oh, il perd son duel, très dur, très dur. 3-1, et c'est la situation de clutch pour Veven. Oh là, Veven qui fait le premier frag sur Predax. Allez, 1 contre 2, Veven qui a récupéré la bombe, c'est déjà une bonne chose de faite. On va passer un peu chez les FA, voir où ils sont. Rainbow qui est dans le back, Wheezy qui est au top essence. Veven qui va poser cette bombe B, hein. Qui va poser cette bombe B sûrement. Non, même pas. Non, il va aller passer sur le A, je pense qu'il va se retrouver en duel. Rainbow qui est dans le back. Ils sont tous les deux ensemble. Hein. Ça, je sais pas pourquoi, je comprends pas trop leur technique. Peut-être qu'ils le cherchent. Hein. Ils veulent jouer agressivement. Ils le cherchent pour tenter le duel. Rainbow qui va arriver. Voyons si. Oui, Veven est en train de poser. Il va avoir le duel dans son dos. Les Rainbow qui vont sûrement. Voilà, il y a Rainbow qui est déjà en place. Ils arrivent du même côté. Dommage, ils auraient dû le prendre en sandwich pour faire une technique un peu mieux. Attention. Oui, Veven qui fait le frag. Peut-être le clutch de Veven. Le 1v3 peut-être. Où est Wheezy? Attention, le duel, attention, Veven, peut-être. Si c'est le 1v3, les gars, je vais gueuler. Hein. Attention, Veven, peut-être pour le 1v3. Ouh là 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 là, c'est chaud. Il joue le temps, très intelligemment joué de la part de Veven. Hein.
Il le fait venir pour faire jouer le temps. Est-ce que Wizzy va être malin? Non, il va le chercher. Non, il va aller des âmes. Il va aller des âmes. Allez, Veven, peut-être le 1v3. Il faut qu'il se dépêche. Il va aller des âmes. Et ouais, très très intelligemment joué. Non, 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 Veven, tu peux pas rater ça. Tu peux pas rater ça. Le 1v3 peut-être. Attention, je le sens arriver, les gars. Wizzy qui. Et ouais, très 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 bien joué. Le 1v3 de Veven pour commencer cette première manche. Magnifiquement joué de sa part. Très 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 bien joué, il a joué le temps, il a forcé son adversaire à venir le chercher pour grappiller des secondes dans ce décompte de la bombe. Et bien évidemment, Wizzy n'avait plus le temps, il se fait fraguer par la bombe, dommage. Très 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 bien joué vraiment de la part de Veven, vraiment très très bien joué. Le 1v3 pour commencer, ça met en confiance les gars, 1v3 ça met en confiance, magnifique, magnifique. Allez, on va passer chez les FA qui ont dû prendre un gros choc psychologique après ce 1v3. Ça doit être très très dur à encaisser. Mais j'espère qu'ils vont se remotiver et peut-être nous proposer un très très beau jeu dans cette seconde période. Je m'enflamme un petit peu, désolé. Mais je suis à fond dans ce match. On va passer sur Predax qui a la bombe. Qui va passer middle. On va voir ça. Chronique, peut-être un duel. Oui, il y a quelqu'un. Ils sont en place, hein, les NB13. J'en vois un dans le kebab. Un qui attend essence. Ah, déjà le Predax qui a pris un frag. Veven qui fait le frag sur Wizzy. Rainbow qui fait le frag sur Voxys. Red Bull. Attention, c'est la situation de 1v3 pour Chronique. Veven en série de 5 frags. 6 frags, Veven qui en. Oh là 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 là, il est chaud. Hein. Il est on fire, Veven, les gars. On fire. Wow, magnifique. Hein. Il est très très bien rentré dans son match. Hein. Il est chaud de night, le Veven. Eh ouais, le beau flash cop. J'adore ce petit camouflage, je l'ai déjà dit dans le match contre la Evo. Pour les plus fidèles d'entre vous qui nous suivent sur la chaîne Neobank TV, vous savez que j'aime beaucoup ces petits camouflages 115 militarisés. Et comment il s'appelle déjà, Afterlife C'est Afterlife en français? Je sais pas, enfin bref, le bleu là qui clignote. Vous m'avez compris, n'est-ce pas? On va passer, allez, côté NB13, on va faire une manche de chaque côté. Pourquoi il a tué son mate? J'aimerais bien savoir. Bon, peu importe. Predax qui fait le premier frag sur Voxys. Voyons ce que ça donne côté Red Bull. Alors Red Bull, il est au middle. Il tient un peu le kebab. Veven qui est en place sur la droite. Ça pose la bombe. C'est vraiment en place côté NB13. Je savais pas qu'ils avaient autant travaillé cette SND. Ça se voit que ça communique très très bien. C'est du beau jeu qu'il nous propose. Je suis très très fier de mes mates aujourd'hui. On va passer un peu voir ce que donne Wizzy. Wizzy qui va avoir un duel à gérer sûrement sur le A. Il a pris le back. Attention. Il se met à découvert. Hein. Ouh, il tente un peu des choses. Peut-être à pas tenter. Ouh là là. Attention, attention, attention. La situation de 23 pour Wizzy qui a éliminé Red Bull. Attention. Ouh là 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 là. Attention, attention. Wizzy. Peut-être le 1v3. Peut-être le 1v3. Il rendrait la monnaie de sa pièce à Veven. Il arrive, il arrive, il arrive. Qui c'est le dernier? C'est Amnesia qui arrive sur la bombe. Et Amnesia. Eh oui, Amnesia, bien joué à lui. Il savait, il a vu deux de ses mates arriver, se faire fraguer par Wizzy. Il est revenu. Dommage pour Wizzy qui aurait pu faire cette situation de 1v3 et rendre la monnaie sa pièce à Veven pour tout à l'heure. Et l'intelligence de jeu d'Amnesia qui sait que ces deux joueurs se font éliminer. Donc, du coup, ben, logiquement, il revient sur sa bombe. Il est en train de protéger le back, Amnesia. Et il fait le frag gentiment sur Wizzy qui est en train de désamorcer cette bombe. On va passer côté FA. Alors, on va passer sur qui? Qui c'est qui va prendre la bombe côté FA? Voyons, voyons. On va voir ça gentiment. Ouh, je suis un petit peu... Je suis chaud là, les gars. Des grosses actions qui ont été proposées dans cette SND. C'est Wizzy qui a pris la bombe. Ils vont passer côté essence. Ils vont essayer de poser sur B, je pense. Hein. Ils vont essayer de faire le frag. Alors, qui c'est qui garde... Alors, Chronique qui passe devant... Predax qui est déjà en place au middle. Amnesia qui fait le frag déjà très important sur le porteur de bombe. Wizzy qui se fait fraguer et qui laisse la bombe à ce top middle. Et c'est vraiment une situation très délicate. Regardez, regardez, regardez. Attention, là, on a un frag très important. Chronique qui prend le frag qui est en duel. Très, très important. Ils sont en 2 contre 1. Mais Wizzy n'est pas mort. Ah non. Non, non, non. Autant pour moi, je croyais que je voyais encore la flèche jaune en bas à droite que vous verrez dans le podcast. Et je croyais qu'il n'était pas mort. Chronique. Alors attendez. Je vois Amnesia, est-ce qu'il a vu? Il a pas vu qu'il y avait la bombe au top, dommage. Il a pas vu qu'il y avait la bombe au top, il a pas vu. Ou alors peut-être qu'il a vu, je sais pas, je suis peut-être arrivé un peu trop tard. On va voir Chronique ce que ça donne, peut-être la situation de 1v2. Pour essayer de recoller un petit peu au score, déjà 3-0. Et non, Red Bull qui était en place et qui savait que ça allait arriver. Kebab, très très bonne lecture de jeu de la part de Red Bull. Et c'est un 4-0 pour la NB13. Ah non, ah ouais. Ouais, bien joué à lui, là, non, il l'a vu arriver, dommage que Chronique a raté son shoot. Red Bull qui a réussi à faire son frag, très très bien joué de sa part. 4-0 dans cette SND, on va passer côté NB... j'étais côté FA, ouais, on va passer côté NB13. On va aller, on va voir qui va prendre la bombe, est-ce que c'est toujours Amnesia? Je sais pas, on va voir ça, Veven, Noxys, on va passer un peu sur... Non, Noxys, excusez-moi, parce qu'il y a Voxys et Noxys. Il y a un pick-up, donc Noxys de côté...
groupe Snipek NB13. Il y a Noxis Voxis, donc il y a juste une lettre et souvent je confonds les deux, donc autant pour moi. Voxis ne m'en veut pas si tu vois cette vidéo. Donc du coup, gentiment, on va passer sur Voxis parce qu'on l'a pas beaucoup vu encore. Enfin, je me suis pas beaucoup mis sur lui, je suis surtout resté sur ceux qui faisaient des actions. Attention, Voxis, c'est un duel très important à gérer. Alors Red Bull qui a déjà fait un premier frag sur Predax, ça fait une situation de 3v4 en faveur des NB13. Amnesia qui a déjà posé la bombe, il est en soutien avec Veven qui peut le cover. Voxis qui est dans le spoon adverse, on va passer un peu sur la map code casting pour voir qui c'est qui a fait le back côté FA. C'est Wheezy qui fait toujours les backs, Chronique qui va se retrouver dans une situation très très compliquée. Voxis qui élimine Chronique et ça sent le 5-0 les gars. Situation de 1v4 pour Wheezy, ça va être très compliqué pour lui. Et Red Bull qui fait encore cette kill cam sur Wheezy. 5-0 pour les NB13. SND assez express les gens. Hein. C'est waouh, c'est, je m'attendais pas à un score pareil. Hein. Honnêtement, beau frag de la part de Red Bull, hein. Rien d'exceptionnel. Mais bon, il permet à son équipe de mener 5-0. Voilà, ils sont vraiment très très bien les NB13. Attention à pas se prendre le comeback. Il manquerait plus que ça. Ça serait vraiment très compliqué. J'espère que les FA vont pouvoir rattraper quand même une manche. Il faut qu'il se remonte, se remotive un peu entre mates. Chronique qui va passer carton. Predax au spoon, je sais pas ce qu'il fait. Rainbow, je sais pas non plus. Wheezy en place au top avec la bombe. Il est tout seul. Hein. J'aimerais bien comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Predax. C'est bon, ça commence à bouger un petit peu. Là, ça va être une A, je pense. Voxis qui est en place au cas où il y en a un qui veuille poser sur B. Veven qui tient l'essence. Ah, Red Bull qui s'est fait fraguer. Attendez. Alors, Red Bull qui s'est fait fraguer sur A. Ils vont sûrement poser la bombe en A. Chronique qui fait le frag sur amené. Ouh là là, c'est une belle situation pour les Chroniques. Ils ont vraiment quelque chose à faire. Il faut absolument qu'ils posent la bombe. Predax qui va se faire prendre par le back s'il continue pas. Il va pas poser la bombe vite. Attention, c'est qui? C'est Veven qui est dans le bac. Et oui, très intelligemment joué de sa part. Chronique qui est tout seul. Non, il est avec Predax, je dis n'importe quoi. Voxis qui fait le kill sur Predax, il chope la bombe. Chronique qui bat Voxis et voilà, Veven qui fait le kill de fin sur Chronique. Et voilà les gars, ce show match est terminé. Et ça se finit sur un 6-0 en recherche avec une petite kick cam flash cop de Veven. C'est wow, c'est très très grosse victoire de la part des NB13, 6-0, 3-0 sur les 3 cartes, ça a été assez expéditif les gens, franchement ça me rappelle un petit peu le match malheureusement de l'ancien groupe contre la EVO, ben voilà, 8-2 de Veven, grosse partie à lui, il était vraiment on fire. Donc voilà les gens, on espère que ce petit show match vous aura plu, bien évidemment il y aura sûrement le match retour, on va faire ça chaque fois en match aller, match retour. En espérant que ça vous ait plu, je vous dis au revoir de la part de tous les joueurs. N'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais vous soutenez une équipe ou une autre. N'hésitez pas à donner votre ressenti gentiment. Et puis voilà, tranquillement, on se dit à plus tard. Ciao, ciao, c'était Val les gens, à plus tard.